pour ce grand défilé militaire. Et ici, donc, tout à l'heure, le président de la République, vous entendez en fond sonore les applaudissements, donc nourris du public ici, l'assistance debout pour accueillir le président de la République, chef des armées, qui arrive donc à l'instant sur cette belle avenue, magnifiquement dressée pour la circonstance, le 62e anniversaire de la célébration de l'indépendance du Togo. Anita, le chef de l'État sur le tapis rouge, on déroule donc ici et debout, l'assistant toujours pour applaudir l'hymne national. Donc de l'hymne national, la terre de nos aïeux, par la musique des forces armées togolaises pour accueillir le président de la République. C'est un autre protocolaire. Observez le chef de l'État qui va passer en revue les troupes donc de rester ici pour la circonstance. Et vous attendez, voilà. Donc par le public. Prier sur le tas quand même. Nous rappelons donc la crise sanitaire qui prévaut toujours dans notre pays. Donc un public présent certes, mais pas le public des grands jours, Gerson. Voilà. Et visible toujours dans les visages le masque, justement pour se protéger contre cette pandémie, le Covid-19, même si on n'en parlait pas beaucoup. On est toujours en pleine pandémie, mais cela ne déteint pas forcément donc sur la fête qui sera belle avec le défilé, le grand défilé tout à l'heure, le président de la République qui emprunte donc le tapis rouge pour en direction donc de la loge officielle où il va prendre place tout à l'heure avant de donner donc l'autorisation, le top départ pour ce grand défilé militaire qui va marquer le 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et Gerson, on l'avait rappelé en tout début à l'introduction, donc 5000 hommes positionnés donc pour ce grand défilé et on va découvrir encore les forces armées togolaises en plus en détail dans leurs différentes composantes et 30 unités justement des forces 30 armées. 30 unités, 30 régiments donc, qui vont défiler sous nos yeux tout à l'heure et sous l'applaudissement pendant que le président de la République arrive dans la loge officielle, applaudi par l'assistance, par les membres du gouvernement, par les ministres, le chef d'état-major, on l'aperçoit, la présidente de l'Assemblée nationale, le premier ministre, Madame Victoire Tomega Dogbé, l'ensemble du corps diplomatique, les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet qui ont donc pris place dans cette loge officielle. Le chef de l'État chaleureusement donc accueilli ici à cette place des fêtes pour le début des festivités du 27 avril. Et tout à fait, et Gerson, on l'annonçait au tout début donc de ce grand direct, nous suivrons ce défilé en français, mais aussi en anglais et dans nos langues nationales, en kabyé et en évé, en kabyé avec Judith Adake. Judith Adake, hello Ale. À la fête. Sono Black Ebenze Ninwan Hun Nale Togo Rajarewa de Oyo Ponomoda Rigbeligene Ne began Liling no began Kazando. Togo be a big petozo, aloaton dotoyo, tele ablorida, ne began do liling nose my bela so no son so janarong bunde done, ne bo wolisizi, rejarele, bagande royo, mbawe. Sebabazon bakandereyo manzamin bapaye wa mresda ne ewe ne welesu noroyo daja Gilbert
Eze wa noru rokele mingi obare no do malsona eze nawo ye palak sonzo su sose na seyo to do malsona mba ne bubuze na bulis de sonzo zenele se ge sonzo su sose zeneze palake ejare na reda yo te ejare te yo wo kazando wo mbi obgen kazando su zotto ne ba to go bongale kotos kazando ndo te yo menze medinge pai kolungwe dawe pai na rindu wele sinawo yo menze me Meki madaba lo jilibere territorial et de préserver la population contre toute attaque extérieure ou toute agression intérieure. Le climat sécuritaire de notre sous-région est marqué par l'instabilité récurrente, la recrudescence des actes de piraterie maritime, la montée en puissance du terrorisme et l'émergence de réseaux criminels divers. La lutte efficace contre tous ces fléaux nécessite une synergie d'action des forces de défense et de sécurité, couplée de la collaboration et de l'adhésion des populations. La participation des armées à la résilience nationale est permanente et permet d'être de plus en plus près des populations en leur apportant les services essentiels à travers les travaux de développement communautaire, des actions médicales gratuites, des actions civilo-militaires et une communication basée sur un corpus doctrinal pour susciter le soutien des populations à l'action militaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef des armées, vous avez rappelé dans votre adresse le 30 décembre 2021 à la Nation, à l'orée de la nouvelle année 2022, l'importance de l'accélération de la mise en œuvre d'actions prioritaires de développement qui mettent l'accent sur la réduction des disparités et l'accès aux services sociaux de base pour nos compatriotes les plus exposés, les plus vulnérables. C'est dans cette optique qu'un programme spécial de développement pour la région des savanes est en cours d'exécution avec la participation très active des forces armées togolaises. Nous voulons saluer ici, par des applaudissements nourris, la permanence d'écoute des Togolais à travers une politique dynamique de proximité. Outre les rencontres périodiques avec les communautés sur les projets de développement, vous multipliez les initiatives pour être davantage beaucoup plus proche des citoyens, parfois pour des échanges directs. Cette proximité renforce non seulement le raffermissement des liens armée-nation, mais aussi participe à la résilience dans la lutte contre le terrorisme violent. Mesdames, Messieurs, nous vous prions d'accorder un banc très, très nourri à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers invités, ce défilé exclusivement militaire et paramilitaire va se dérouler selon le programme ci-après. Tout à l'heure, nous allons assister à une démonstration de saut en parachute avec ouverture retardée à une altitude de 2500 mètres. La particularité de cette démonstration est que des personnels militaires féminins font partie en grand nombre de ce largage. À l'issue de cette démonstration, le commandant des troupes viendra demander l'autorisation à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, pour commencer le défilé. Une fois cette autorisation accordée, il rejoindra la troupe défilante afin de procéder au démarrage du défilé. Il reviendra à la fin du défilé pour rendre compte à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, de la fin du défilé. Nous vous remercions pour votre attention.
écouter en l'instant donc la chorale de la chorale à venir de l'université de Lomé, accompagnée par une autre chorale aussi, Saint-Pierre et Paul, qui donne notre ton de spiritualité, de solennité également à cette célébration du 27 avril, qui marque donc le 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Moment de solennité, moment de spiritualité. Vous savez que le Togo est toujours placé sous le signe de Dieu, sous le contrôle, la paix de Dieu, la grâce divine qui, les mânes de nos ancêtres ont toujours imploré, donc la grâce divine donc, sur notre pays. Et Gerson, juste après la chorale à venir de l'université de Lomé, place donc à la mythique chorale Saint-Pierre et Paul. Toujours pour implorer la grâce de Dieu avant le début de ce défilé marquant donc le 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Et nous voyons là sur les images les membres. Et on découvre donc à l'instant le visage de son mythique président, l'éternel président donc de la chorale Saint-Pierre et Paul. Du roi des rois aux cieux, pour qu'il nous bénisse. Yeshua, 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 Nazareth, de oui, on David, Bialo, Oyo, Bialo, Osa, Bialo. Yeshua, voilà, moment de prière, un moment d'invocation, et vous le savez, la Bible l'a dit, donc chanter, c'est prier deux fois. Donc les images de la loge officielle avec le chef de l'État, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République. Le corps diplomatique. Et vous le savez, donc nos autorités ont placé cette célébration également sous la coupe de Dieu. Depuis vendredi, on commençait donc les prières musulmanes, suivies le week-end, dimanche, des cultes et de la messe catholique sur toutes les paroisses pour confier donc le pays sous la protection donc de Dieu. Expérience renouvelée donc par cette la prestation donc de ces deux chorales, Saint-Pierre et Paul, et chorale à venir de l'université de Lomé. Et pendant ce temps, si vous prêtez donc attention, vous allez entendre dans le ciel le tournoiement donc des moteurs. Eh bien, c'est des avions, les hélicoptères qui survolent cette place. Merci de la fête de l'indépendance. Nous invitons maintenant sous haute sécurité de la police nationale à se produire. Fanfare de la police nationale. We'll be right back.
début de la démonstration du saut parachutiste. Le programme a été donné donc tout à l'heure. Et bien, c'est la musique de la police nationale, la fanfare de la police nationale qui égaye l'assistance donc ici, en attendant certainement le bruit d'hélicoptère que vous avez entendu en fond sonore, les manœuvres en l'air, dans le ciel, pour préparer justement ces parachutistes qui vont nous faire une démonstration. Donc tout à l'heure ici, Alex Mpoti, on est également avec vous, le service anglais. On se rappelle, hein, le 27 avril, eh bien, c'est une date mémorable, l'indépendance arrachée donc de haute lutte par nos aïeux. Les luttes d'indépendance qui ont abouti donc à cette liberté pour le peuple togolais, une liberté politique. Aujourd'hui, le Togo s'emploie à aller à sa liberté économique. Mais en attendant, nous commémorons donc le 27 avril aujourd'hui. Well, there's really political and economic freedom. We are here still at the parade ground where the FESA place's area is well fitted for the parade to begin. We realize that in the far is coming an arcade that we are all thinking about. The brass band that just sang is the police brass band. We had the university choir. We had the St. Peter's and Paul choir who also sang here above our heads, 2,500 meters from our head. The parachutists who are coming to display at the form up area. They will be landing at the form up area. And we could see that last year there was a lady. This year again, I'm sure there is a lady, Anita. Yes, Alex, we hope so. Sûrement que Dame Julienne sera également de la partie, celle-là qui nous a émerveillés. Elle est de la partie, Anita, et elle sera la dixième chuteuse aujourd'hui qui va boucler donc le banc de cette parade donc des parachutistes. Vivement donc. Gerson, on se rappelle l'année dernière cet émerveillement et cette surprise, cette belle surprise qu'elle nous a faite, une femme chuteuse qui est arrivée majestueusement sur cette place il y a de cela un an. Oui, un an exactement, jour pour jour, un saut impeccable qui a arraché donc les applaudissements, la sensation donc de l'événement de ce 27 avril. C'est le grand souvenir qu'on garde donc du 27 avril 2021, et cette année aussi avec les regards qui sont déjà tournés vers le ciel, vous le voyez forcément sur vos petits écrans, et qui attendent également donc de vivre une forte sensation aujourd'hui. En tout et pour tout, ces parachutistes seront donc largués, un saut opérationnel à 2500 mètres d'altitude, et c'est des parachutistes qui ont été formés au centre d'entraînement des troupes aéroportées donc de Lomé. Leur mission, eh bien, c'est des missions de combat, des missions de sauvetage, des missions humanitaires. On peut donc les larguer un peu partout pour accomplir donc de ces missions humanitaires ou de sauvetage pour l'armée. Un saut à 2500 mètres d'altitude avec 10 chuteurs que nous allons découvrir à leur atterrissage au fur et à mesure. Nous vous laissons donc savourer le moment. Voilà, avec un premier largage, un tout premier atterrissage qui n'est pas très bien réussi. Mais félicitations, parce que là, c'est pas facile. Hein. Ça, il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cœur pour l'exercice. Et là, on vient donc d'assister à un tout premier atterrissage ici devant nous, ici, sous les applaudissements du public. Je rappelle que nous sommes avec le capitaine Sewade, hein, qui est notre consultant militaire. Rebonjour mon capitaine. Là, on assiste au largage des parachutistes. Il
Bravo, le tenant moyen. Ah, impeccable. Impeccable. Une réception impeccable, saluée par le chef de l'État et le public ici présent. Et toute l'assistance. Le troisième chuteur est le chef Yua Koué, il est conducteur TAP. Localisé à Lomé depuis sa création, mais qui est actuellement en relocalisation à Sarakawa. À Sarakawa. Ils sont une dizaine. Nous avons déjà suivi l'arrivée des premiers. Il faut rappeler que la météo n'est pas totalement favorable, mais ils sont formés pour le faire et ils sont en train de le faire. C'est des combattants donc, qui s'adaptent à chaque situation. C'est vrai que la météo n'est pas... Il y a du vent qui gêne un peu ces parachutistes, mais qui s'emploient à rester dans la droite ligne et à nous offrir un spectacle magnifique ici sur la place du défilé, de la place des fêtes. Vous l'avez bien dit, rien n'arrête le combattant, ni la météo, ni la pluie, ni la chaleur, ni rien d'autre ne peut. Ils sont conformés à la situation à laquelle ils feront face. Voilà pourquoi. Et nous tenons à rappeler que l'intérêt de cette chute réside dans la discrétion. Et voilà, donc qui est allé avec très, très, très apprécié dans la loge officielle. Avec, j'imagine, la manœuvre doit être vraiment très, très, très délicate. Le chuteur qui a atterri ou qui a été réceptionné un peu en retrait justement de la place. Mais il faut reconnaître, Gerson, que ce n'est pas évident quand même. C'est pas évident, un peu gêné parfois par le vent, même par les oiseaux à qui on vole un peu la vedette lors de ce parachutiste, mais qui s'emploie quand même à bien manœuvrer les parachutes pour tomber au point indiqué. C'est pas toujours facile, nous qui sommes surtout des novices en la matière, qui regardons juste le spectacle du point de vue de l'œil de novice. Et Gerson, il faut rappeler également que le centre d'entraînement des troupes aéroportées est un pôle de compétences qui a déjà formé plus de 4900 parachutistes d'horizons divers. Oui, il y a des pays étrangers donc, qui viennent se former également. On va passer donc, la parole à nos collègues de langue nationale pour commenter aussi un peu ce parachutiste. Voilà, ça c'est impeccable. Devant la loge officielle. Officielle, oui. Gerson, l'assistance qui reconnaît la complexité de l'exercice et donc salue la bravoure de nos parachutistes ici. Alex Nkoti. Despite the bad weather, they are trying to do their best. Most of them are landing at the format area. And we have spectacular parachutists displaying their talents and their know-how in jumping. And we know that this is another one coming. There are about 10 of them.
And we expect, oh yeah, this is very, very intelligent, well-calculated jump here. And we know that these people were trained, these parachutists were trained at the Parachute Training Center, located in Lomé and in Nyantougou in the Karab region. We have another one. They are doing pretty well. They are doing very, very well this morning. And Anita, has the lady already landed? Alex Mpoti, justement, Gerson, est-ce que le dame Julienne qui nous a fait... Bon, dans la programmation, Julienne doit fermer le banc et boucler la boucle. Mais à l'image, est-ce que c'est elle avec... Non, je ne crois pas. Non, c'est pas elle. C'est pas encore on verra elle. Bien. Donc, ouais. Capitaine, est-ce que Julienne, vous avez reconnu Julienne parmi les parachutistes qui sont déjà arrivés? Dans la programmation, elle doit être... Julienne Condi, c'est oui, elle Julienne qui doit Condi. Être la dixième, normalement, voilà, hein, pour nous offrir encore un numéro spécial. Donc, on attend impatiemment, on va dire, Gerson, on va dire un peu la star du jour. Oui, la star du saut parachutiste. Elle est très, très attendue elle cette très année attendue. Parce qu'elle était inattendue l'année dernière et c'était une surprise générale, une sensation donc du défilé de l'année dernière. Et donc, forcément, cette année, elle est attendue sur sa prestation pour voir si elle va battre son propre record ou nous offrir d'autres numéros spéciaux. Et donc, on regarde avec attention sur les images pour voir si c'est elle. Non, mais là, c'est un homme. C'est un homme, ça ne ressemble pas à Julienne. Et Gerson, nous attendons quasiment le dernier ou les derniers parachutes. Je crois que Julienne, elle doit être... c'est elle qui descend avec le drapeau. Bon, on attend, mon capitaine, est-ce que vous pouvez confirmer si c'est Julienne qu'on dit non, pas encore. De toute façon, on verra. On est en train de regarder. On verra une fois arrivé au sol. Non, c'est pas Julienne. Parachute met fin à cette série de démonstrations de parachute. Tout à l'heure. Les chuteurs. Bon, j'ai eu comme l'impression que c'est elle qui a été la troisième chuteuse. Hein, finalement, de toutes les façons, nos 10 parachutistes sont arrivés sains et saufs. Les 10 sont arrivés. Oui, mon capitaine. Oui, Gerson, nous tenons à rappeler que le largage des parachutistes est réalisé à une hauteur de 2500 mètres par un hélicoptère Mi-8T de l'armée de l'air. Le Mi-8T est un hélicoptère de manœuvre acquis au profit de l'armée de l'air en 2019. Il effectue, entre autres, des missions de transport de troupes, de fret, de personnalités, des missions d'héli-largage et de reconnaissance. Comme vous l'avez bien rappelé, le setup est un pôle de compétences interarmées dans le domaine des troupes aéroportées. Le CETAP, c'est le centre d'entraînement des troupes aéroportées. Voilà, qui est basé à Lomé, mais qui est en train... Il y a un projet de délocalisation. Depuis sa création, basé à Lomé, dans la même enceinte avec la base transport de Lomé, mais la relocalisation est actuellement en cours à Sarakawa. À Sarakawa, tout à fait. Et Gerson, juste après donc le saut parachutiste, nous allons assister, au cérémonial de demande d'autorisation auprès du chef des armées, le chef de l'État donc, demande d'autorisation par le commandant des troupes pour le démarrage officiel de ce défilé militaire et paramilitaire. Bien avant la demande d'autorisation à son Excellence par le commandant des troupes, les chuteurs vont saluer le chef des armées, avec à leur tête le capitaine Edo Ekoué, qui est le commandant par intérim du CETAP. Voilà, et on les voit. On les voit déjà voilà. Sur les écrans. Sur les écrans. Voilà, qui vont donc dans la loge officielle. En face de la loge officielle, pour saluer le chef des armées,
rendre compte de la fin. Okay. Donc ils sont dans la ils sont dans la loge officielle. Ils sont dans la loge officielle. Ils sont dans la loge. Ils font leur entrée à la loge officielle. Avec à leur tête le capitaine Edo Ekwe, commandant le centre d'entraînement des troupes aéroportées. Les parachutistes ovationnés par... Et un compte-rendu à son excellence, monsieur le président de la République, pour la fin de la démonstration de saut. Voilà, on a deux femmes hein, en face de trois femmes qui font donc partie des 10 parachutistes largués donc tout à l'heure qui ont atterri donc devant nous. Le chef de l'État donc qui se lève pour saluer les 10 parachutistes. Une féminisation donc qui a intégré hein, tous les régiments de l'armée togolaise. On en trouve donc partout, dans tous les corps aujourd'hui. Féminisation donc très très avancée dans les forces, dans les rangs donc des forces armées togolaises. Les femmes sont partout, à tous les commandements aujourd'hui. Gerson, on ne l'entend pas, mais sûrement que le chef de l'État donc adresse ses félicitations. Bravo, voilà, bravo, donc, un standing ovation pour les parachutistes. Oui, félicité, applaudi, standing ovation, comme vous l'avez dit, donc de ces 10 chuteurs qui vont regagner leur base, on va dire. Sa formation initiale sur un stage de parachutisme. C'est ainsi que le médecin, le lieutenant-colonel Lydie Bessie-Kama, actuel ministre des Sports et des Loisirs, dans le cadre de sa formation d'officier, a obtenu son brevet militaire de parachutisme en 1999, devenant ainsi le premier personnel militaire féminin des forces armées togolaises à obtenir ce brevet avec 6 sauts à ouverture automatique à 400 mètres. Nous vous prions de lui accorder un banc nourri pour cette performance. Voilà, et donc ça rétablit, disons, une petite polémique qui était née l'année dernière. Et donc l'actuel ministre des Sports, Betty Kama, est le premier parachutiste, ou la première parachutiste hein, du Togo. Mais la première chuteuse, eh bien, c'est Julienne. Julienne Kondi, voilà. Kondi Nibiri Julienne. Et mon capitaine, cette année, donc, 3 femmes. L'année dernière, on a eu une. Et cette année, on se retrouve avec 3 chuteuses, finalement. Le colonel Gado, qui va avancer à bord de sa voiture de commandement pour demander l'autorisation à son excellence, monsieur le président de la République, pour le début du défilé. Exécuté l'année passée avec professionnalisme et qui a forcé l'admiration de tout le public. Tout à fait. Il y a d'autres qui sont actuellement en formation. Au CETAP qui vont rejoindre le. Tout à fait. Présenté! Gerson, le cérémonial donc demande autorisation à présent. Oui, et le commandant de troupe qui s'avance à bord de sa commande-car pour aller jusque devant la loge officielle. Demander cette autorisation au président de la République. C'est un protocole militaire observé donc chaque année avant le début du défilé militaire. Et ce rituel est encore observé cette année. Le colonel Gado, et donc, le colonel Gado qui commandant des troupes qui se dirige vers la loge présidentielle afin d'obtenir de son excellence, monsieur le président de la République, chef des armées, demander l'autorisation pour officiellement et solennellement l'ouverture du défilé. Et cette année, Gerson, le commandant des troupes, c'est le colonel Gado Biwuzwe qui va donc demander solennellement l'autorisation du démarrage du défilé militaire et paramilitaire auprès du chef de l'État, chef des armées. Le cérémonial de demande d'autorisation au chef des armées a tout son sens dans la mesure où c'est lui qui préside la cérémonie, c'est lui
qui recevra le salut des officiers. Et excellent, ce sens, monsieur le président de la République, chef des armées, donne le début. Les forces de défense et de sécurité, ici, mobilisées pour la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, sous les ordres du colonel Gado Biwisuwa, commandant des troupes, demande très respectueusement l'autorisation pour le début du défilé. Colonel Gado, je vous salue, ainsi que vos troupes, drapeaux et fanions. Vous êtes autorisés à lancer le défilé. Mesdames et messieurs, voilà l'autorisation. Le lancement du défilé vient de lui être accordé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Voilà, donc le OK hein, pour le début donc, du défilé militaire qui va être qui va se dérouler hein, sous nos yeux donc, tout à l'heure. Et vous aussi à la maison, sur vos petits écrans, sous le commandement donc, du colonel Gado. Gallo, eh bien, c'est un officier de carrière. Hein. Il totalise plusieurs années d'expérience dans l'armée militaire. Il est formé à l'école de formation de Boaké, EFA, en Côte d'Ivoire, et fit son école d'application en Atterri, en France. Il est officier de l'Ordre national de mérite et a participé à plusieurs opérations de maintien de la paix, ce qui lui a valu plusieurs distinctions honorifiques. Un homme d'expérience, un homme de terrain, donc, hein, colonel Gado, qui retourne à ses troupes pour donner le top départ après avoir l'ordre de ce l'ordre grand de défilé. Défilé. Ça va partir pour au moins deux heures de temps. Nous sommes ensemble pour deux heures et demie de temps pour vivre ce grand défilé militaire tout à l'heure sur cette belle avenue de la place des fêtes ici, drapée dans les couleurs national, un défilé. Vous voyez donc la belle avenue qui est bien tracée. Et donc les troupes vont s'éparpiller en V, en V devant la loge officielle, ce qui donne toujours un magnifique, surtout vu d'en haut, un spectacle magnifique à regarder. On aperçoit déjà la cavalerie du Japon. Vous l'avez dit, deux heures pour découvrir ou redécouvrir encore les forces armées togolaises. Alex, le top départ est donné par le chef de l'État. Félicité par le head of state, le premier commandant, colonel Gado Biwisuwa, back to his troops, back to the various contingents for the beginning of the military parade. We have the cavalry in front, coming with the horses on horseback, mounted on horseback with their brass band, opening this military parade this morning here at the new Presidential Palace Avenue, where the warm-up area is being lit, well prepared, well designed for the parade. We know that this cavalry has been mounted or organized by the in 1982 in order to keep honest, especially on days like this, in order to accompany, in order to take the lead whenever we have the head of state or the motorcar moving for special occasions, giving honest on special occasions like this. La balle, la balle. Soudain, on banise, on mange. Soudain, on perd des mal. La boule va se réjouir. Nous donnons ça et bon yonka. Ouais, le colonel Gado Biwisuwa. Et au banais, bon, nous mangeons réjouir. Nous de force, soudain, nous y assigne. C'est how we are in Babazerone. Soudain, on banise. Et au bon oyo oyo. Babazerone, Babazerone. Et bon réjouir. Nous du dessus de aise. Et au lieu de Babazerone, Babazerone. Musique principale de la gendarmerie baba gonnayo mba gonnene besengne meteyondune mbaneze borongo babezene boroba de holuda
nekene tabalo Gilbert nekade dembaro ndomoyo dai Gilbert colonel Gado bisuwe kogbe le duplo lagbo vola azon lizozo pero do oze egome eye ban asrafo sodo lawo wawe evayi eye le opeta colonel lieutenant colonel Nyaku yadana yele tanao ele yamea badagba ope ekpenkuha o le azon les hommes va les yim et il le opeta mia ko escadron chef escadron asi il etanao Gerson, la musique principale des forces armées togolaises qui ouvre maintenant le défilé à pied avec à sa tête le chef d'escadron assis. Oui, on aura donc une première partie, ce défilé va rassembler donc les troupes au sol, les troupes dans les airs. Hein, on a suivi donc le saut parachute donc tout à l'heure. Donc là, c'est l'escadron donc de la cavalerie avec le spectacle qui commence. Le chef d'escadron assis, la musique principale qui est une formation située au sein de la garde républicaine de la gendarmerie nationale. Elle est chargée d'exécuter des prestations musicales militaires et pour rendre les honneurs, on les voit donc lors des grandes cérémonies militaires, lors des réceptions. Donc ces troupes sont toujours là. Le personnel de la musique principale peut en outre être utilisé également pour l'exécution des missions opérationnelles. Donc ce ne sont pas que des musiciens en fait. Non, elles ne sont pas là juste pour faire de la musique. C'est des militaires après tout, donc ils peuvent être déployés donc sur le terrain et qui sont affectés à d'autres missions, mais essentiellement dans ce rôle, eh bien c'est pour rendre les honneurs au président de la République lors des réceptions, lors des accueils des autres chefs d'État étrangers. L'indépendance aujourd'hui, comme nous le voyons, et puis à d'autres occasions, mon capitaine. Exactement, c'est là. La musique principale des forces armées togolaises, et vous l'avez bien dit, la musique n'est que leur spécialité. Ils sont des militaires à part entière, formés comme tout autre, de leur galon ou de leur catégorie. C'est pourquoi vous l'avez bien précisé, ils participent aussi à toute autre mission opérationnelle. Absolument. Nous suivons là le passage du commandant des troupes, le colonel Gado Biwisoué, qui a justement demandé l'autorisation tout à l'heure. Qui vient d'obtenir l'autorisation effectivement et qui a lancé le défilé après le passage de la musique. Voilà, et derrière le colonel Gado, on a le lieutenant colonel Apeli Moussumbu, qui est lui le commandant des troupes adjointes. Il est le chef du centre opérationnel régional de la première région de gendarmerie. Pendant qu'on voit à l'écran, le colonel Gallo qui salue le chef de l'État et suivi du lieutenant-colonel Apeli Moussumbu, commandant des troupes adjointes. Jason, il faut rappeler donc que le commandant des troupes qui a défilé devant le drapeau national. Cet emblème qui représente donc les couleurs du pays. Et l'emblème a été porté par le capitaine Moukpe Essowe du régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra. Et il était encadré de part et d'autre par les différentes composantes des forces armées togolaises, notamment l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et la gendarmerie nationale. Voilà. Et le chef des armées debout pour saluer ses troupes, le président de la République. Nous suivons là le passage du capitaine Changani Mamayo qui s'apprête là à saluer le chef des armées. Elle est en tête du peloton des jeunes dames de la gendarmerie nationale. Voilà la première colonne féminine de la gendarmerie. La gendarmerie nationale. Voilà, le personnel féminin. Et pour cette colonne, il y en a deux, mon capitaine, vous allez nous préciser. Il y a donc la colonne féminine donc de la gendarmerie et de la police, alors que pour les autres régiments, le personnel féminin est intégré directement à tous les corps. Oui, le personnel féminin est intégré aux autres pelotons dans certaines unités. Il y a certaines unités qui ont pu dégager
des pelotons uniquement de personnel féminin en signe, soit de leur fonction, soit de leur spécialité. Vous le verrez par exemple à la police, elles ont une mission particulière. Ils s'occupent de la sécurité routière. Vous les voyez souvent au niveau des intersections. On en parlera. Voilà, qui régule la circulation. Qui on régule la circulation. Et Jason, on reconnaît si bien ces hommes casqués. Voilà, la brigade anti-émeute. La brigade anti-émeute donc de la gendarmerie nationale, c'est un corps d'élite des forces armées togolaises qui tire ses origines de la gendarmerie française. Elle est aujourd'hui une institution républicaine et qui joue un rôle prépondérant dans le maintien de la sécurité de l'ordre public. Elle assure l'exécution des lois et participe à la défense de la nation. Et c'est un corps créé dès 1963 et à ce jour, la gendarmerie nationale a été dirigée par 16 officiers supérieurs, le colonel Apana Kocho et l'actuel directeur général. Bien sûr, honneur et fidélité, telle est la devise de cette grande institution à la tête de laquelle a défilé donc le lieutenant-colonel Kedeoli et Soto, le chef de cabinet du directeur général. Du directeur général donc de la gendarmerie. Voilà, qui défile à sa tête. Et pour la circonstance, pour cette célébration, eh bien, il faut noter à l'État que la gendarmerie nationale défile avec ces deux régions et leurs unités spéciales, à savoir les troupes régionaux de sécurité et d'intervention, GRRCI, et qui viennent d'être créées. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Le capitaine va nous dire un mot là-dessus. C'est des unités créées à partir de 2014, des unités issues du système de refondation pour prendre en compte les nouvelles formes de menaces et répondre aux besoins sécuritaires. Jason, l'armée togolaise qui est en perpétuelle mutation, justement pour la sécurité. Oui, depuis que le chef de l'État a lancé donc le grand projet de refondation donc de l'armée togolaise, justement pour répondre aux menaces de l'heure, on va permettre donc aux langues nationales, Alex Mpoti, donc de faire un peu le point avant qu'on ne continue donc les commentaires. Alex Mpoti, ça a bien démarré le défilé. Le défilé a officiellement démarré. Ah oui, merci Anita Tikako. We had the Kala Party. We had the color party, the national flag being hoisted. We also had the national military police, the armed forces band. Passing by now on your screen is the Air Force, of the national. Nous suivons là le passage du capitaine Nyansounou à Foufa à Mivi. Vous avez suivi depuis vos écrans. Elle a été ovationnée par l'assistance ici. Elle est le chef des services administratifs de l'inspection générale des armées. Personnel féminin militaire de l'armée de l'air formé à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de Pia. Merci mon capitaine. Donc, Gerson, on assiste là donc au passage de l'armée de l'air. Voilà, l'armée de l'air également donc à l'écran justement avec. Et Jason, l'armée de l'air a marqué son entrée donc durant ce grand défilé avec à sa tête le commandant Pelou et Sodina, pilote de transport. Qui a donc été suivi par le capitaine Nyansounou Amivi Arufa. Chaleureusement salué tout à l'heure par l'assistance. Tenons à rappeler que l'armée de l'air assure la protection de l'espace aérien national et effectue des missions aériennes de soutien et d'appui aux autres forces. Elle dispose d'un état-major et de deux bases aériennes, la base transport de Lomé BTL et la base chasse de Niamtou BCN.
Ancien militaire de l'armée de l'air intervient également sur plusieurs volets tels que l'autodéfense de superficie, des installations aéronautiques, les opérations aéromobiles, les mesures de contrôle au sol, le guidage aérien tactique avancé, les actions à caractère spécial, la police aéronautique, entre autres. C'est des missions dévolues donc à ce corps des forces armées togolaises. On va retrouver Gilbert. Vous allez le remarquer, le dernier peloton de l'armée de l'air est constitué des fusiliers commandos de l'air. Ceux-là qui sont spécialisés dans les champs d'action que vous venez de décrire. À leur tête ici, c'est le lieutenant Yakanou Yao Apollinaire, lui-même formé au Brésil et spécialisé en infanterie de l'armée de l'air fusilier commando. Actuellement le passage de la marine nationale avec à sa tête le capitaine de corvette Oname Kofu Domaoli, chef de division opération à l'état-major de la marine, acteur clé de l'action de l'état en mer dans la nouvelle gouvernance maritime mise en place par le chef de l'état en 2014. La marine nationale assure la défense des approches maritimes, la préservation des intérêts du Togo en mer, la sécurisation de l'économie bleue, l'assistance et le secours maritime, ainsi que la sauvegarde de l'environnement marin. Et tout à fait, mon capitaine. Et Gerson, on reconnaît la marine par sa tenue blanc immaculée. L'économie bleue qui est l'une des priorités également du gouvernement togolais, Gerson Blon. Oui, voilà. Donc, l'uniforme qui rappelle toujours la grande histoire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale où lorsqu'on a signé l'armistice sur un bateau quelque part dans les eaux américaines, un marin a embrassé une infirmière et qui a resté donc la légende aujourd'hui donc à New York. Le fameux marin. Voilà, le marin qui a fait donc l'événement. L'uniforme qui rappelle toujours ce grand événement donc de l'histoire de notre temps, notre histoire contemporaine. Et Gerson, il faut rappeler avec également des femmes intégrées. Hein, oui. La féminisation des forces armées togolaises, c'est une concrétisation, une réalité. Très prouvée. Et Gerson, il faut rappeler également que l'ensemble des moyens de la marine sont répartis sur deux bases, la base marine de Lomé et la base marine de Goumoukopé, qui est en construction près de la frontière est. Et vous savez aujourd'hui que cette marine nationale a aujourd'hui des missions colossales, on va dire, parce que la menace, c'est en haute mer aussi, avec les pirateries, les actes d'agression. Et donc, notre marine nationale se forme, s'adapte. Il y a beaucoup d'exercices qui se font. Le dernier exercice en date, eh bien, c'est au Bangamé. Au Bangamé Express. Au Bangamé Express. 2022. Voilà, 2022, où il y a eu donc une simulation grandeur nature avec la marine togolaise qui se met toujours au point pour contrer les attaques parce que, vous savez, l'économie bleue aujourd'hui est un enjeu également aussi de taille. Et donc, la marine est là à jouer un rôle prépondérant également dans, dans la collecte, dans la sécurisation donc, de nos mers. Si on parle aujourd'hui donc, des performances du port autonome de Lomé, c'est en partie aussi grâce à la marine nationale qui sécurise nos eaux et donc qui attire beaucoup plus de bateaux, de navires vers notre port parce que tout simplement sécurisé. Gerson, comme vous l'avez si bien précisé, contre la piraterie et les autres formes de violence en mer, la marine dispose pour ses interventions d'une compagnie de fusiliers commando marins. Vous les avez vu passer, le dernier peloton, voilà. Bien entraîné, bien outillé, capable de reprendre avec la force le contrôle d'un navire piraté et libérer les otages. Et Gerson l'a rappelé également, parlant de la lutte contre la piraterie,
On peut donner par exemple les chiffres. La marine a permis d'appréhender au total 16 pirates qui ont été jugés et condamnés. La marine elle a saisi également environ 60 000 litres de produits pétroliers trafiqués en mer et contribué à la saisie également d'importantes quantités de drogue et de stupéfiants en mer. Et on va peut-être boucler ce chapitre sur la marine nationale en faisant un clin d'œil à ce bateau-là qui est accosté malgré lui en face de l'hôtel, au niveau de l'hôtel Sarakawa et qui est devenu donc disons un objet de curiosité. Absolument. Oui, mais nous rappelons que nous suivons actuellement le passage des unités de l'armée de terre. L'armée de terre. Avec à leur tête le lieutenant-colonel Tosi Matezi. Il est suivi déjà du drapeau de l'armée de terre qui est passé. Actuellement, c'est le régiment de soutien et d'appui RSA qui est en train de faire son passage. L'armée de terre qui a pour mission donc de garantir aux côtés des autres armées l'intégrité territoriale et la sauvegarde des institutions. Elle compte, Gerson, 13 unités, 3 centres de formation, à savoir le Centre national d'instruction, le Centre d'entraînement des troupes aéroportées, CETAP, d'où ont été formés donc les 10 parachutistes que nous venons de voir, et le Centre national d'entraînement commando CNEC. Avec ce plan de dos et l'instant de séparation donc des deux colonnes, on va dire, très magnifique à regarder. On va faire un clin d'œil aux langues nationales pour nous faire le point pour nos téléspectateurs en langue nationale assez rapidement. Juliette, oui, nous avons notre Juliette aussi. Oui, non, Julienne. Commandant Asite, Sendelna Tomino Dole, colonel Amana Kojo, Sendelna Rewaile, Yare Sakede, Boen, Borong, Zewon, No, Clementineo, Borong, Haya Nyoko, Samoa, Konyoko, Mubioyo, Rejareda Genele, the Kabala, Reke, Gan Musojana, Latotune, Hala Robadan, Zemaya, Bokazin, Samoa, they say. Donc le passage des pelotons du régiment de soutien est à but. La devise de cette unité, partout et toujours prêt. C'est le colonel Ago Yoma qui en est le chef de corps. Le régiment de soutien et d'appui donc créé le en 1977 est implanté au sein du camp général Niazimbe Yadema à Lomé. Et le régiment de soutien d'appui est constitué de deux bataillons, le bataillon de soutien et le bataillon d'appui. Et en dehors des missions de soutien et d'appui qu'il apporte aux autres unités des forces armées togolaises, il faut rappeler également que le régiment de soutien et d'appui participe à la sécurisation de l'intégrité territoriale et des points sensibles de la capitale. Et voici venir maintenant le régiment d'infanterie, le premier RI. Le premier RI, hein, les femmes et les hommes donc, de ce premier régiment d'infanterie basé à Zola, dans la préfecture des Lacs. L'autorité militaire qui défile en tête de peloton, qui constitue donc ce corps, est le chef bataillon Gado Aklesso. C'est une unité qui tire ses origines de la première compagnie du 1er régiment interarmes togolais pour devenir par la suite le premier bataillon d'infanterie installé à l'actuel camp général Niassibé Yadema, RIT. Il a fonctionné comme bataillon isolé de même que le 2e bataillon motorisé. Fusionné le 1er janvier 1992, eh bien, il
formé le 1er régiment interarmes jusqu'au 20 avril 1994. Et leur mission, eh bien, c'est la défense du territoire national, de ses intérêts supérieurs dans sa zone de responsabilité, et qui est située au sud-est donc de notre pays. Et Jason, logiquement, après le premier régiment d'infanterie, place au deuxième régiment d'infanterie. Oui, le deuxième régiment d'infanterie s'annonce. Nous suivons actuellement le passage du deuxième bataillon du 1er toujours, avec à leur tête le capitaine Tonyinou Vivian. Il faut rappeler qu'entre-temps, nous avons suivi le passage du capitaine Djaba Yetema, personnel féminin officier. Elle est chef d'agence de la coopérative militaire et d'épargne de crédit à Zola. Elle a été ovationnée, vous l'avez vu. Cette féminisation dont vous avez déjà parlé, nous tenons à rappeler jusqu'elle a débuté en 1996 avec les premières femmes à l'ESAL. En 2007, elle a continué avec les femmes dans les unités d'infanterie. Et aujourd'hui, dans toutes les unités, dans toutes les institutions, nous avons le personnel féminin militaire compétent aux côtés des hommes. Gerson, les femmes tout aussi capables que les hommes au sein des forces armées togolaises aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. C'est l'égalité genre hein, aujourd'hui. Hein, les femmes vont aussi au front, font partie donc de ce personnel féminin et qui vont à des missions sur le terrain également. Alex Mpoti, un clin d'œil à nos téléspectateurs anglophones qui suivent, vous savez, hein, ce défilé suit un peu partout hein, dans la diaspora, au Ghana, au Nigeria, partout où on parle anglais, et même aux États-Unis, par nos compatriotes qui aimeraient vous entendre aussi. Hein. Alex, vous portez un clin d'œil à nos compatriotes anglophones, à nos téléspectateurs anglophones. Courageous men and women parading. We earlier on had the Marine, the Naval Forces, led by Captain Waname Kokudo Mauli. Then now we have the ground forces parading on the parade ground, and we the biggest in personnel of the Togo Armed Forces, the decisional body of the armed forces. Their aim is to guarantee territorial integrity. We have 30 units within the ground forces, with three training centers and the first infantry. Et ils sont toujours avec le deuxième régiment d'infanterie. We have the infantry regiment, the second, third and fourth, the elite bodies, the support regiments, and all these representation of all these units are partaking in the 62nd anniversary celebration of Togo's accession to independence. Today we know that the chief of defense staff of ground forces is Colonel Kolemanga Kasawa. Bon capitaine, après le premier régiment d'infanterie, place au deuxième régiment. Alors bon capitaine, quelle est la différence entre les deux? Y a-t-il une différence entre les deux, le premier régiment et le deuxième régiment d'infanterie? C'est deux unités d'infanterie de l'armée de terre. Des appellations, c'est pratiquement les mêmes missions. C'est des unités d'infanterie de l'armée de terre. Si vous avez vu sur les 13 unités présentées au niveau de l'état-major de l'armée de terre, de par leur histoire, mais c'est l'appellation actuelle qu'ils ont gardée. Le premier est basé à Zola, le deuxième est basé à Yudogome. Honneur et vaillance, la devise hein, de ce corps dont le chef, le patron est le lieutenant-colonel Mbappé. Non, Mbappé. Mbappé, pas Mbappé. Mbappé Mbada. Voilà, Mbappé Mbada. Le lieutenant-colonel hein. Mbappé Mbada. Voilà, pas Mbappé du Paris Saint-Germain, non, par lui. Il faut rappeler que le deuxième mairie, au-delà des missions régaliennes, s'occupe de la sécurisation de la frontière sud-ouest du Togo. Et c'est des corps qui sont déployés assez régulièrement donc sur le terrain, le théâtre des opérations.
c'est des unités déployées régulièrement qui vont au front, qui sont sollicitées même à l'intérieur pour des opérations de coups de poing, des opérations de sécurisation qui rapprochent les forces armées togolaises des populations. Nous saluons par ça donc la réalisation hein, avec les plans aériens qui nous montrent donc les blocs formés hein, un peu compacts donc de ces différentes troupes qui défilent sous nos yeux ici et sur vos petits écrans avec justement donc ce plan qui montre de haut la tribune officielle et le bloc là qui défile devant nous et qui se sépare en V. Hein, avec le virage abordé et que montre donc la réalisation qui donne un aspect agréable, magnifique, impeccable à regarder à l'écran. Ce sont des images donc, qui nous parviennent grâce aux drones utilisés par la télévision togolaise, il faut le rappeler, et le saluer surtout. Et grâce aux caméras de pilotées managées par Agouzé Simplice, le réalisateur, et caméraman. Nous suivons à présent le passage du corps des sapeurs-pompiers avec sa devise « Courage et dévouement, sauver ou périr ». Oui, qui sont au feu, qui sont à l'eau, qui sont partout pour exprimer clairement leur engagement au profit donc de la population togolaise. Avec à sa tête le lieutenant-colonel Akunda Baronda, l'autorité qui défile à la tête des sapeurs-pompiers. Mais nous rappelons que c'est le lieutenant-colonel Asake Yao Gilles qui est le commandant de cette unité. Ce sont les sapeurs-pompiers que nous retrouvons lors des différents sinistres. On les appelle les hommes, les soldats du feu. Oui. C'est une unité qui est dans notre quotidien, qui nous habite tous les jours. Les accidents sur nos routes, ils sont présents, ces sapeurs-pompiers. Incendies. Il faut rappeler que d'avril 2020 à avril 2022, ils ont eu à intervenir 6691 fois sur l'étendue du territoire national au profit de 7377 victimes, dont malheureusement 175 ont perdu la mort. Ils sont à saluer. On perdu la vie. Nous tenons à saluer ces militaires de feu qui bravent le risque tous les jours pour offrir plus de sécurité aux populations, les missions de sauvetage, et eh bien c'est eux. Et avec les grosses pluies aujourd'hui qui s'annoncent, qui s'abattent déjà. Et sur Lomé, sur le Togo, eh bien, ils seront encore très, très, très sollicités et avec les débordements des eaux, les inondations à prévenir. Eh bien, ils seront là, à nos côtés, aux côtés des populations un peu partout dans ces zones marécageuses pour prévenir. Et il y a beaucoup, beaucoup oui, hein, de missions de prévention, d'exercices de prévention, justement, pour anticiper sur d'éventuelles inondations pour pouvoir évacuer la population, sauver la population des eaux. Donc, c'est des gens qui sont dans notre quotidien que nous saluons au passage. Et Gerson, on note le changement de cadence. Et on va laisser savourer ça un peu. A pace that is that has brought a change to this quick march parade at the commandos. They are from the parachutist regiment, and over here we have them today. Their motto is to win or to die.
That's their motto of the regiment. And this regiment that we see marching with their own brass band has always marched to show the bravery, to show the courage of the Togolese military, who are all over taking part in peace missions in West Africa, especially West Africa, fighting and struggling against terrorism and extreme violence in the Sahel that is trying to spill out to our countries, coastal countries. Well, Jason? Yes, Alex, Madame, Messieurs, on note, vous l'avez noté aussi, un changement de cadence musicale. Ça prête à entrer en scène les unités spéciales de l'armée de terre. Et place d'abord à la musique du régiment parachutiste et commando, avec à sa tête le lieutenant Agboutan Afandina Tetevi, et chef de cette fanfare du régiment parachutiste commando. Jason, il faut rappeler donc sous ce pas particulier, très lent et majestueux, on le reconnaît. On ne sait pas. C'est un mot d'assurance en leur force. Et par abus de langage, on les appelle parfois les sénateurs de l'armée. Oui, et on les reconnaît et on les appelle pour communément aussi les bérets rouges, par la couleur donc de leur béret. Vaincre ou mourir, Jason, c'est la devise de ce régiment. Pas pressé, majestueux, élégant, avec un prime, un peu de frime. Oui, mais en même temps, ce pas, c'est limite pour dissuader également l'adversaire. Hein. Oui, c'est des hommes qui inspirent confiance, qui inspirent l'autorité, qui inspirent la sécurité, tout simplement, par leur gabarit, par leur prestance. Jason, il faut noter aux téléspectateurs que ce régiment a été créé à partir d'un embryon de 300 jeunes, de plus de 300 jeunes militaires formés en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Précisément à Kotakoli. Kotakoli. Voilà, pour ceux qui connaissent bien la RDC. Kotakoli. Kotakoli, pour ceux qui ont fait le voyage une fois sur la RDC. Vous l'avez bien saisi. Et cette allure royale et majestueuse est le signe de l'assurance, de la conviction et de la sérénité dont font preuve ces militaires. Ils ne sont pas du tout pressés, mais ils arrivent toujours en temps. Et c'est un corps d'élite hein, qui comprend outre l'unité mère basée au camp général Abbaye de Kara, le centre national d'entraînement commando de Kpewa et le centre d'entraînement des troupes aéroportées dont nous parlions depuis le matin. Nous tenons à rappeler aux téléspectateurs qu'il s'agit juste là de la musique du RPC qui se met en place. C'est juste la musique. Et que l'unité est en ordre de bataille pour passer. Et Jason, justement, le rythme tellement lent fait que c'est la musique qui passe, mais on prend du temps. On prend du temps. Oui, ça prend du temps. C'est des hommes pas pressés du tout. Pas du tout. Hein, avec à leur tête ici, hein, le lieutenant-colonel de Combatté Latiembe, chef de corps qui va défiler donc tout à l'heure devant nos vaillants et valeureux parachutistes commando. Le lieutenant-colonel commandant le régiment parachutiste commando est aussi le commandant du 4e secteur militaire. Hein, de Gaulle. Suite à la refondation, il y a eu création des deux régions militaires, régions militaires subdivisées en secteurs militaires. Mmh. Et les secteurs militaires correspondent aux régions administratives du Togo, les 5, mmh, dont le 4e secteur militaire à Kara. Donc, il est le chef de corps du RPC et en même temps le commandant du 1er secteur militaire. Régiment parachutiste commando. Et vous l'avez bien précisé, le chef de cette fanfare est le lieutenant Agboutan Afandina Tetevi Nabiosi. Tout à fait, c'est lui donc le chef de cette fanfare du régiment parachutiste et commando. Et eux, ils ont, on l'a dit, leur musique. À eux, ils vont se mettre en place et le grand show
Le paracommando va commencer. L'installation, la mise en place de la musique n'est que l'avant-goût pour préparer les téléspectateurs et le public ici présent à suivre cette démonstration, ce passage des paracommandos. Ceux-là qui, à travers ce passage, vont encore une fois rappeler au peuple togolais et rendre compte aux chefs des armées qu'ils sont prêts à continuer le travail, à défendre l'intégrité du territoire, à protéger les Togolais et leurs biens, où qu'ils soient et qui qu'ils soient. Allez, on va faire voilà, notre revue de troupe à nous assez rapidement avec... Tout à fait. Avec Judith Adake, avec nos amis Kabien. Après le rythme, place maintenant au chant. C'est le chant du 27 avril. Oui, un chant qui est de Freedom avec fierté. Les femmes et les hommes du régiment parachutiste commando nous invitent à travers donc ce chant et relever ça, donc message de cohésion nationale. La synergie d'action qui reste des facteurs essentiels dans notre lutte commune contre l'idéologie odieuse qu'est le terrorisme, l'extrémisme violent aujourd'hui. Actuellement, le lieutenant-colonel Kombaté Latiembe est en train de saluer le chef des armées à la tête de son unité. Il est suivi par le drapeau de l'unité sur lequel c'est écrit « Vaincre ou mourir ». Cette devise traduit à suffisance le degré de l'engagement, la prise de conscience du danger par les hommes et les femmes qui défilent en ce moment même. À travers cette devise, ils font le serment de ne jamais perdre une bataille et sont prêts au sacrifice ultime au pire des cas. Allez, on va laisser écouter un peu, savourer un peu cette chanson du 27 avril exécutée par les régiments paracommandos. Wow, Gerson, un refrain vraiment puissant. 27 avril 1960, 27 avril 2022, petit pays de l'Occident d'Afrique, tes fils t'exaltent et sois souverain. Ça dit tout. Un message assez fort, un message assez actuel. On voit à l'image une femme de ce corps
mobilisation. Il faut rappeler que le régiment parachutiste commando, à l'instar des autres unités des forces armées togolaises, continue le renforcement de capacités opérationnelles de son personnel à travers les directives du haut commandement qui exigent de rehausser le niveau d'exigence opérationnelle du personnel en tenant compte de la dureté des combats à venir. Nous suivons actuellement le lieutenant-colonel Agbana Masekim qui salue le chef des armées comme adjoint au chef de corps au cours de ce passage. Derrière lui, le capitaine Camille Pozialeba qui défile en tête du premier bataillon du régiment parachute commando. Simplement magnifique de voir ces hommes et femmes défiler avec le gros point sur leur visage qui traduit une certaine sérénité dans le visage, une assurance, une certaine confiance en eux-mêmes qui assure, qui rassure aussi en même temps avec une expression de détermination dans le pas très calculé, millimétré, et qui donne toute la majesté à ce corps chaque fois qu'il défile. C'est tout simplement beau à regarder. La beauté d'une parade réside dans la synchronisation des mouvements, l'exécution individuellement, collectivement, et c'est ce qui fait la beauté de la parade de ce jour. Et une beauté qui peut être accentuée si la réalisation peut nous proposer un plan aérien. Vous allez voir la coordination des mouvements, la cadence. Et nous tenons à rappeler que en ce moment où nous avons des Togolais, des Togolaises qui prennent part à cette parade, nous avons d'autres qui sont déployés au Darfour, au Mali, en Centrafrique, et nous tenons à leur adresser nos encouragements. Et un clin d'œil justement, mon capitaine, à l'opération Kundwari, qui a réussi donc à repousser donc cette attaque à Salouaga. Et la petite confidence, eh bien c'est la chanson qui est exécutée actuellement. C'est une chanson particulièrement aimée par le chef de l'État. Et lors de sa visite aux troupes de Kundwari, eh bien, il a demandé que les troupes exécutent donc cette chanson et il a chanté avec eux. Et c'est une chanson aux paroles fortes, aux paroles de réconfort, de détermination. On va laisser écouter un peu, savourer un peu ces paroles.
alors vous regardez donc le plan aérien et la coordination, l'harmonie des mouvements, de ses bras, de ses poings levés, avec ce bloc que nous montre actuellement donc ce bloc homogène que nous montre actuellement donc la réalisation. Et c'est toujours un moment d'émotion forte lors du passage de ces bérets rouges qui font leur preuve donc sur les théâtres des opérations. Et vous savez, donc le terrorisme, l'extrémisme violent aujourd'hui, c'est une question d'actualité. Pas plus tard que hier, le Bénin a été attaqué. Encore une fois. Et c'est là où il faut donc saluer la bravoure, la détermination, le travail de sécurité qu'effectuent donc au jour le jour nos forces armées et de défense et de sécurité qui nous permettent de dormir tranquillement, qui nous permettent donc de nous réveiller tranquillement, d'aller, de revenir en toute sécurité. C'est l'occasion donc de souligner donc ce travail. Il est vrai que nous ne prenons aucune victoire pour acquise. Mais nous continuons, les forces armées togolaises continuent à poursuivre le renforcement des capacités, poursuivre la formation. Vous l'avez déjà souligné, par exemple avec l'opération Koundouaré, qui est un bouclier au nord du pays, qui nous permet aujourd'hui de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et pour le chef des armées, il faut sauvegarder la sécurité à tout prix. La paix à tout prix. Et rien que la paix. Au cours d'une de ses visites sur le terrain, il disait aux militaires de tout faire pour qu'aucun centimètre carré de notre territoire ne soit occupé par les terroristes. Cela prouve à suffisance sa détermination dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est la réalité aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et c'est l'occasion donc de saluer justement donc le travail donc de cette armée, donc de chef des armées. Parce que lorsqu'on pense aux pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Tchad, Le Burkina aujourd'hui, disons que la situation sécuritaire dans la sous-région est préoccupante. Est préoccupante. Et nous sommes encore un îlot donc de paix, un havre de paix, et qu'il faut donc saluer absolument. Et préserver, et saluer justement le courage et la bravoure de ces hommes et de ces femmes qui ne dorment pas. Pour justement préserver l'intégrité. Nous permettre de dormir. Voilà, eux, ils ne dorment pas pour que nous dormions. Et Gerson, on note le passage de nos fameux barbus du corps des bérets rouges. Voilà. Le peloton des barbus qui exécute le pas raccourci. Une cadence. Des parachutistes commando, et dans la chanson ils disent qu'ils sont invités. Ils sont invités pour la sécurité des Togolais, ils sont invités pour la protection de leurs biens, ils sont invités pour l'intégrité du territoire, et ils sont déjà là. Voilà, et on regarde encore ce bloc homogène de dos, de haut, dans cette vue. Et vivre sur ce plan, on se croirait donc dans un PlayStation, un game PlayStation avec donc cette image magnifique. Oui, Jason, parlant de l'attaque terroriste de San Luaga, hier en prélude à cette célébration, le chef des armées a décoré les 21 militaires qui étaient impliqués, mais qui ont réagi avec bravoure pour mettre en déroute. Cérémonie à l'hôtel 2 février. 2 février, Salle Fazao, et que vous avez, les téléspectateurs ont certainement vu donc, dans notre journal de 20h hier, cette cérémonie donc, de décoration pour une fois montrer donc, la reconnaissance du chef des armées à ses troupes et les encourager voilà, à faire davantage pour sauvegarder donc, les acquis que nous avons sur notre sol. Alès, vous continuez justement parlant de l'opération au niveau des savanes.
l'opération qui a permis de mettre en déroute justement les terroristes et ces hommes et ces femmes qui ont démontré de leur bravoure et qui ont été décorés hier par le chef de l'État. Oh yes, thank you so much. This Gundwara operation in the Savannah region of Togo is a kind of military security belt in the Savannah to halt or to stop these dissidents to really penetrate into the country, to enter Togo and do their bad things as they used to do. We note that the head of state early last year visited them to encourage them, to congratulate them for what they are doing. And late last year again, one of their posts was attacked, and we realized that through their courage, the dissidents were forced to fall back into Burkina Faso. So we know that these women and men working for the integrity of our country are really doing their best, their utmost best, to save our country for external aggression. Thank you very much, Jason. Oui, Juliette. Judith la balle les lomés Merci Gilbert. Pendant ce temps, on nous montrait donc la loge officielle avec les officiers supérieurs des forces armées togolaises drapés dans leur tenue d'apparat de grand jour. Hein, c'est l'événement aujourd'hui. Hein, certains qu'on n'a même pas reconnu. Oui, bien sûr. Et vous reconnaissez même parmi les membres du gouvernement le général de brigade hier, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et parlant justement de protection civile, l'autre mission de l'armée togolaise aujourd'hui, eh bien, c'est des missions humanitaires, c'est des missions. L'armée togolaise qui va au contact des populations, qui participe à l'œuvre de développement, la construction d'écoles, la construction de, d'hôpitaux, les opérations foraines, de cataractes qui est donc actuellement aussi en cours, la médecine militaire qui est très présente également aujourd'hui. Il n'y a pas que le travail de sécurisation, l'armée est dans le quotidien aujourd'hui donc des populations et qui les rassure et qui les accompagne dans leur quotidien en matière de santé, en matière d'éducation, et cela c'est magnifique également. Gerson, on entend ces cris, ces ovations au passage donc de la musique du régiment commando de la garde présidentielle. Oui, un autre régiment qui succède donc au régiment parachutiste et commando. Un autre régiment et d'autres pas.
à chacun sa spécialité, à chacun sa musique. Donc le régiment commando de la garde présidentielle qui va s'installer aussi avec sa propre musique et on verra tout à l'heure la suite ce que ça va donner. Donc après les bérets rouges, place aux bérets verts. Donc on voit le lieutenant-colonel La Barbore Matiendou qui défie donc à la tête de ce régiment. Régiment dont la devise est loyauté et pugnacité. Oui, c'est un régiment commando de la garde présidentielle qui, à sa naissance le 1er janvier 1975, était rattaché au 2e bataillon motorisé du 1er régiment Ikera togolais jusqu'en juin 1977. Aujourd'hui, et comme son nom l'indique, sa mission reste exclusivement la sécurité du président de la République. Et c'est le colonel Niasimbe Mali Baba qui est le chef de corps de cette unité. Colonel Niasimbe Mali Baba. Mali Baba. À Mali Baba. Mali Baba. Sous ses pas, qui sont la marque du régiment commando de la garde présidentielle défilent les femmes et les hommes qui composent cette unité d'élite de l'armée de terre. Vous constatez que ces pas contrastent avec les pas des parachutistes commando. Oui, tout à fait. Ces deux commandos. Et bon capitaine, les femmes aussi martèlent le sol comme ça. Il y a des femmes dans l'unité. Oui, on verra tout à l'heure. Vous suivez le passage d'un chef de peloton qui est un lieutenant féminin. Le nom. Du lieutenant Matidi et Mondjona et son. On va la voir tout de suite. C'est un personnel féminin qui va arriver donc tout à l'heure. Mais lors de ce passage, et puis on sent donc certaines armes de cette troupe, une certaine pugnacité, la hargne de vaincre, la rage presque donc de vaincre à tout prix. À travers donc ces pas rythmés, empreints de sérénité, d'énergie, ces femmes et hommes et du régiment commando de la garde présidentielle rassurent le chef des armées de leur disponibilité, de leur détermination à poursuivre avec professionnalisme et abnégation la lourde et noble mission qui leur est confiée. Oui, et Anita qui parlait donc de femmes tout à l'heure, eh bien, en voici une. Je et qui défile, hein, et c'est le lieutenant Patidi Mondjona Esso, voilà qui défile actuellement, hein, que vous voyez là sur vos petits écrans. Et qui est Patidi Mondjona Esso qui passe et qui force l'admiration de l'assistance à travers l'énergie et l'assurance dégagée. Voilà, il s'incarne complètement dans ce projet d'intégration du genre et de l'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix. Et c'est une opportunité pour le département de la défense de réduire les disparités liées à la représentativité des femmes numériquement et qualitativement au sein donc des effectifs des forces armées et en opération extérieure depuis leur intégration en 1996. Et à l'État, c'est l'occasion également de le souligner, de le rappeler et de saluer cela. À la tête de l'armée togolaise aujourd'hui dans le gouvernement, eh bien, c'est une femme. Une femme, la ministre des Armées. La ministre des Armées. On salue au passage.
Madame Essazimna Marguerite Nyakade. Madame Marguerite Nyakade, voilà qui est donc la ministre des Armées. Des Armées. Et qui incarne justement donc ce projet de féminisation donc de l'armée togolaise. Et c'est l'occasion ici donc de lancer aussi un appel. Bon oui, un appel à la jeunesse togolaise, hein, prise de talent et désireuse donc de servir sur le drapeau, hein, que les opportunités sont nombreuses pour tous les profils de carrière. Hein. L'armée recrute dans tous les métiers qui répondent aux besoins opérationnels. Alors donc avis aux amateurs, comme on le dit, aux talents. Comme l'a si bien dit le capitaine, le saut de Madame Julienne l'année dernière a poussé d'autres à lui emboîter le pas. Et sûrement que ce passage de personnel féminin aujourd'hui nous fera découvrir un nouveau personnel féminin recruté peut-être au défilé du 63e anniversaire. Nous en avons tous été séduits, ça bien sûr. Mais pour nous autres, de loin. On n'a pas tous le même courage. Alain Soukoti, la féminisation des forces armées togolaises, c'est une réalité. On a suivi tout à l'heure le passage donc d'une femme au sein des bérets verts. On avait béré vert, on voit les gens, les hommes, les hommes, les hommes, des troupes à pied de l'armée de terre et ouvre tout à l'heure le passage des écoles de formation
et que nous aurons donc tout le loisir de regarder défiler donc sous nos yeux ici et vous à la maison en direct sur la télévision togolaise, sur vos petits écrans, avec encore un clin d'œil au chef d'état-major des différents corps, la police, la gendarmerie, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, qui sont en tenue d'apparat. Aujourd'hui, c'est le grand événement, c'est le grand jour de naissance pour la nation togolaise, avec un clin d'œil toujours à l'histoire, 1960, le 27 avril, au président Sylvanus Olympio, ensuite le président Nicolas Gwenisky, le président général Niassibé et Yadema, et aujourd'hui le président Fouad Niassibé, sans oublier en le colonel Kleber Dado et M. Abbas Bonfo. C'est notre histoire à nous. Voilà donc nos pionniers de la lutte d'indépendance que nous commémorons aujourd'hui. Ceux qui ont versé donc leur sang sur l'ensemble du territoire national. On se rappelle des lieux d'histoire, de vestiges. Nous avons passé donc des reportages sur la radio Camina, la place de l'indépendance, l'intérieur avec la lutte d'indépendance, ceux grâce à qui nous avons la liberté aujourd'hui, la liberté d'un État indépendant. Pâte et salle. Le collège militaire Yadema. Et nous suivons donc là l'arrivée et le passage de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT. Et c'est le lieutenant-colonel Kilimo Mato qui est le commandant école qui défile à la tête de ce peloton. La célèbre EFOFAT implantée à Pia et qui a été créée dans le but de fournir aux forces armées togolaises des officiers de valeur, garçon. Oui, des officiers de valeur, des jeunes togolais des deux sexes qui reçoivent donc une formation rigoureuse leur permettant de remplir des missions complexes. Jadis, cette école à vocation nationale, et puis elle est devenue internationale avec l'accueil de stagiaires de nombreux pays. Les pays suivants qui sont représentés, il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso aujourd'hui, il y a la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Tchad. Le drapeau flotte aux côtés du nôtre à l'occasion donc de la célébration de ce 62e anniversaire. Et mon capitaine, on peut déjà peut-être rappeler qui peut s'inscrire à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises, à l'EFOFAT. L'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises est soumise à un concours national organisé par le ministère des Armées avec le niveau licence ou maîtrise selon les conditions requises pour les deux sexes. Une fois le dossier étudié reçu, le concours est passé selon la série littéraire ou scientifique. Et à ce jour, on peut noter que EFOFAT a formé 762 officiers, dont 552 nationaux et 210 issus de différents pays frères et amis. Actuellement, elle compte 113 élèves officiers, 36 officiers élèves du cours d'application. Là-bas, la devise, il faut être excellent. L'excellence par l'effort, oui. Telle est la devise. Oui, de l'effort. C'est pas suffisant d'être bon, il faut être excellent. Et nous assistons donc au passage des médecins militaires. Oui, les médecins militaires de l'école de service de santé des armées de Lomé et Sal. On les voit aussi en ville, passer parfois en kaki, avec leur bonnet, très agréable à regarder, parfois sur leur poteau en ville, dans leur voiture, frappé donc du sigle et Sal. Ça donne envie
ça donne envie. Au cours de leur formation, ils suivent le cours avec leurs collègues civils à la faculté de médecine de l'université de Lomé. Voilà, et confidence pour confidence, un patient à l'hôpital un jour a souhaité se faire soigner par un médecin militaire. Un médecin militaire. Et pourquoi ? Bon, il a sa raison en lui. Et c'est une médecine efficace mais méconnue. Une médecine très efficace mais méconnue parce que la discipline règne là-bas, pas du n'importe quoi. Bon, je ne dis pas que les autres médecines, non. Voilà. Mais c'est une médecine très très efficace. Et Jason, il faut rappeler que c'est le médecin commandant Abalto Baobade, médecin infectiologue qui a défilé à la tête donc de l'ESSAG. Et actuellement, c'est vous suivrez ça donc voilà à l'écran, le passage de l'école nationale des sous-officiers de Temedja, l'ENSO T, est commandé donc par un officier supérieur nommé par arrêté du ministre des Armées. Et à ce jour, eh bien, c'est le lieutenant-colonel Abli Talake Bidjareou qui défile en tête, donc qui la commande. C'est le lieutenant-colonel Abli Talake qui est l'officier qui commande cette école. Mais c'est le chef de bataillon, Aliti Pidjandeou, qui vient de défiler en tête. Merci, mon capitaine, pour la précision. Et Gerson, cette école a été créée en janvier 1987. Et elle regorge pour la formation actuelle en son sein. Elle rassemble donc 3 élèves sous-officiers spécialistes en cours de formation pour l'obtention du certificat interarmes. Et là aussi, on parle rigueur, on parle excellence. Excellence également. Et l'école a pour mission de former des sous-officiers compétents et exemplaires, donc, comme on l'a dit, au profit des forces armées togolaises et des forces armées des pays amis. Voilà, parce que sur les opérations de maintien de paix, de guerre, eh bien, il y a des blessés, il y a des morts, des blessés qu'il faut secourir, il y a des morts qu'il faut évacuer assez rapidement. Et donc cette médecine-là intervient assez rapidement avec des moyens spécifiques assez rapides. Et voilà une autre école, il s'agit donc du collège militaire Eyadema. Et c'est le lieutenant-colonel Abami Kassabalou qui est le commandant école lui-même. Eh bien, Gerson, le lieutenant-colonel de l'école, il est issu du collège militaire Eyadema également. Voilà, et c'est une pépinière, hein, voilà. Pépinière des forces armées togolaises. Travail pour loi, discipline et guide. Voilà donc la devise donc, de cette école. Elle motive que tous les élèves, le corps professoral et l'ensemble de l'encadrement s'appliquent au quotidien afin de pérenniser le statut d'école d'excellence de cet établissement. Derrière le drapeau de l'école, nous avons suivi le passage du capitaine Koumogmena Ditorman Luc, qui est le surveillant général au sein de cette école, où règne la discipline, l'ordre, l'ambition et la rigueur. Et Gerson, il faut reconnaître, lorsqu'on parle de forces armées, on retrouve toujours ces valeurs de discipline, de rigueur, d'excellence. C'est la première loi, c'est la première caractéristique, la discipline. La discipline. C'est cartésien, donc c'est dans l'armée. Oui. C'est fondamental. Yes, Alex Mokoti. Pour nos amis anglophones, on pourra parler un peu de la différentes écoles de formation des forces armées togolaises. Merci Anita Atikapu. We have just passed by the military officers for this course in Togo. We are led by Lieutenant Colonel Chakondo Mbota Kiru. We have also the military, the Armed Forces Medical School students who also march past the Mid Career Officers Training Center of Temedja, also sent representatives to this 62nd anniversary celebration parade
And we have the Eya Demand Military College in Teacherwood. They all march past. They are military. They are centers for of excellence in military training. Located the various regions in order to train well-trained officers ever ready to accomplish any mission at all. And, we have friends from other French-speaking countries that are also taking part. Being trained in this center from Burkina Faso, from Côte d'Ivoire, from Central Africa, and all over. And we know that these schools are in for military excellence, train quality military officers, and even sometimes they train people who are civilians. A school like the Eya Demand Military College in Chichawa train students who are not military men but acquires civics education, civics duties, and how to live in society. And thank you very much. Judith a attaqué un mot. Le wo yo me a miakpo gbadagba lamesin o pe sukua o pe vi o han o va yi e ye lo fe ta doyola abaltu bawu badi ple fe radola doyola ban genare baname o le tano e ye o zon pe azan le o va yi le yi ku ye ademe. Assistons en ce moment au passage des troupes de la police nationale avec à leur tête le commissaire divisionnaire de police, c'est Kwacha Tchedeli Benebeda. C'est, voilà, vous la voyez, hein, c'est une dame qui par sa prestance inspire confiance, inspire assurance. Adjointe au directeur central de la sécurité publique, et bien elle est l'une des deux premières femmes commissaires de police du Togo. Elle a été recrutée en 2005. Et au passage, on fait un coucou à tous nos amis policiers depuis la sûreté nationale et dans tous les commissariats. C'est eux qui nous font les cartes nationales d'identité, la légalisation, la régulation de la circulation, la sécurité. Et Gerson, il faut noter donc le passage de deux pelotons de femmes. Exactement. Et les femmes occupent une place importante aux côtés de leurs collègues hommes. On les retrouve à tous les niveaux de commandement et dans toutes les unités de la police nationale. Et celle qui défile en ce moment, donc si vous pétez grave, bien c'est le commissaire première classe Kankou Bonguinipo. Et le lieutenant Chalim Assibiji. Et
peut-être rappeler également que la police, ces hommes et femmes de la police nationale participent d'une manière générale à la lutte contre la criminalité. Nous tenons à préciser que les deux pelotons des femmes sont suivis par le bataillon de sécurité publique avec à leur tête le commissaire de police de deuxième classe, Douamé Kossi, qui dirige le commissariat d'Avekozo. A noter également que la sécurité publique représente la plus grosse structure de la police nationale. Et les agents qui y sont affectés s'occupent à la fois de la prévention et de la répression de la criminalité. On le retrouve dans les commissariats, donc les postes de police, qui sont, vous l'avez si bien dit, et dans les dispositifs anti-braquage. Et ils ont également pour mission la délivrance de documents administratifs, comme les cartes nationales d'identité et bien d'autres. Oui, nuit et jour, ce sont ces hommes et femmes qui sont avec nous dans la rue. Nuit et jour, donc, pour assurer la sécurité, les braquages, c'est eux qui interviennent en premier. Avec parfois donc du renfort de la gendarmerie, donc la police avec cet accoutrement, la police anti-émeute. Et Gerson, nous suivons également le passage de deux pelotons des compagnies républicaines d'intervention. Et sous les ordres du commissaire de police de deuxième classe, Ayéou Adam Kossi Kelete, il est le commandant donc de la CRI de Kohé. Ces unités se chargent principalement du maintien du rétablissement de l'ordre public dans le respect des dispositions légales avec des moyens conventionnels. Ils sont vêtus, vous les voyez, de leur tenue de maintien d'ordre, équipés de matériel de maintien d'ordre, notamment les boucliers, les casques et les bâtons de défense. Voilà, donc Ayéou Adam qui serait peut-être parenté donc au ministre de la Communication. Et voilà donc nous suivons donc ce passage. Et si la réalisation peut de temps en temps nous montrer aussi les deux tribunes annexes qui se font face, où le public regarde également avec attention et avec admiration d'ailleurs donc ce grand défilé militaire que vous suivez également donc sur vos petits écrans à la maison. Jason, il faut noter que disons que les policiers ne sont pas ils ne sont pas que là pour maintenir l'ordre et en absence de troubles, eh bien les policiers mènent des missions préventives. Absolument, absolument. C'est des forces de défense et de sécurité. Donc c'est eux qui, cette mission est incluse donc dans la sécurité, la prévention, la sécurisation. Donc ils sont donc à tous les coins de rue, nuit et jour, qui font donc la patrouille hein, également donc, pour que nous puissions dormir en toute tranquillité hein, et faire de beaux rêves. Nous suivons actuellement le passage de l'école nationale de police. L'école nationale de police qui est devenue école supérieure des forces de sécurité. Et c'est une nouveauté. Et qui est basée à Davier. Qui est basée à Davier. Après leur formation, ils sortent avec le grade de sous-lieutenant de police. Ils ont à leur tête pour se défiler le commissaire principal de police, Tcharé Baoulé. Voilà, donc il faut signaler aussi, mon capitaine, pour préciser peut-être que ça a changé. Hein. Les grades ont changé également dans la police nationale. Et on suit le passage donc, de la brigade cynophile avec à sa tête le maître chien Salah Yao. Voilà, la brigade canine. DTP. Les chiens que vous voyez participent donc à la protection et la sécurité des personnes et des biens, la protection des points sensibles et la lutte contre le terrorisme, Gerson. Bien sûr. La sécurisation des grands événements. Le trafic des drogues, tout ça donc à l'aéroport, et bien c'est des chiens renifleurs. Ils sont capables donc d'aller dénicher, disons, la marchandise là où vous le cachez au fond de votre valise ou même c'est des chiens qui sont capables en vous reniflant tout simplement savoir que vous avez ingurgité des capsules de drogue. Place donc à la douane. Douane avec l'Office togolais des recettes OTR. Oui. L'OTR qui fait l'actualité ces derniers temps, Gerson. Oui, beaucoup, beaucoup, hein, qui fait beaucoup l'actualité. Il faut
noter donc que l'OTR, l'Office congolais des recettes, est dirigé depuis février 2019 par Philippe Kokou-Tchodier. Voilà, monsieur Philippe Kokou-Tchodier, commissaire général par intérim. Ici, c'est le colonel des douanes Siliadin Edo, personnel féminin des douanes, qui défile à la tête des troupes à pied de CCDI OTR. Elle est inspectrice principale des douanes, directrice des opérations douanières du Golfe. Les femmes se retrouvent partout. Le commandant du premier peloton est le capitaine Kokbaye Kodjovi, Ololo Oussou, chef division du contrôle des opérations douanières du recouvrement, à la direction des opérations douanières de Lomé, port, ainsi que l'unité douanière de la plateforme industrielle intégrée d'Atetikopé, PIA. Et Alita, mon capitaine, avec donc ces femmes qui défilent avec une certaine élégance, hargne, eh bien, il faut payer ses impôts. Il faut payer ses impôts, ses taxes. Les citoyens togolais le font bien. Oui, c'est rentré donc dans les habitudes. Donc passage très rapide donc de la douane. Nous en sommes actuellement donc aux eaux et forêts. Le corps des eaux et forêts. Avec à leur tête le lieutenant-colonel des eaux et forêts Bakayi Puelon. Il est suivi donc du capitaine des eaux et forêts, Samuel Kossi. Derrière le drapeau de l'unité qui porte donc la devise dignité, vaillance, discipline. Leur mission essentielle est d'assurer la sauvegarde, l'exploitation durable et le développement du patrimoine forestier national. Voilà, une mission qui prend beaucoup d'importance ces dernières années avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, le changement climatique, la sauvegarde de nos forêts aujourd'hui. Et donc c'est une mission qui s'est décuplée complètement avec l'enjeu du moment. Et c'est un corps qui est remis. Qui est remis au fond donc, du dispositif hein, de la grande politique donc, de sauvegarde de notre environnement. Et c'est des gens qui ont reçu une formation militaire, toutes armes, pour acquérir des notions pouvant leur permettre de lutter efficacement contre le braconnage. Et c'est un corps qui est affilié au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Nous suivons à présent le passage du corps de surveillance de l'administration pénitentiaire. C'est le chef d'escadron vidé à Kaoulou qui défile à leur tête. Leur mission, la surveillance intérieure et extérieure des prisons et autres lieux de détention, le transfert des prisonniers et autres détenus, l'appui aux institutions chargées de l'exécution des peines, la participation à la réinsertion des prisonniers et autres détenus. Voilà, et depuis vendredi dernier, les prisons du Togo sont réouvertes de nouveau aux visites. Et donc les détenus peuvent recevoir à nouveau la visite des amis, des parents, des familles et des ONG, hein, des organisations de défense des droits de l'homme. Discipline, rigueur et humanité. C'est la devise de ce corps dont l'actuel chef de corps est le lieutenant-colonel Dadjo Obrabako. Et du personnel féminin partout intégré également à ce corps de la surveillance. Allez, on va refaire notre revue de troupe avec Judith Attaqué, Gilbert et Alex Poitier. Le
choses officielles, on remarque, vous l'avez certainement remarqué aussi, hein, la présence des anciens premiers ministres. On a pu apercevoir donc Maître Joseph Kompropiko, l'ancien premier ministre Komissaire Lomklassou, Komlan Mali. Ils sont également donc dans la loge officielle. Oui, Alex. Witnessing the Paris Matri, the 62nd anniversary celebration of Togo's ascension to independence. Here on our streets, we have a contingent still marching. These contingents are paramilitary groups. We had earlier on the national police, the anti-riot police, the anti-theft police, criminal police, cyber security police, and all those things, and the customs and excess services body under the Togo National Revenue Office in Foreign Regards. And the Foreign Regards in charge of fauna and flora. And since last year, they had a target. They are engaged in revamping the forest recover of Togo, planting of 1 billion trees in Togo before the year 2025. So it's a great challenge to our Forest Regards and to the Togolese population at large. So we still have the paramilitary groups, Martin. Yes, Alex. Thank you very much. Bien, on a suivi tout à l'heure hein, le passage de la réserve réserve opérationnelle. Opérationnelle. Je parle sous le contrôle de mon capitaine. Il y a donc la réserve opérationnelle et puis les anciens combattants. La réserve opérationnelle, c'est des anciens combattants aussi, mais qui militaires à la retraite, mais qui ont encore la capacité de combattre, d'aller sur le théâtre des opérations. On peut rappeler à tout moment. Et les anciens combattants qui, avec le poids de l'âge, qui peuvent être affectés à des tâches administratives un peu partout. Je parle sous votre contrôle. Ils apportent leur expérience et leur expertise. Ils sont sous contrat avec le ministère des Armées. Merci, mon capitaine. Et l'actuel chef de corps de cette unité de réserve opérationnelle, c'est le commandant des troupes d'aujourd'hui, le colonel Gado Bivisoué. C'est lui qui commande la réserve opérationnelle. Derrière eux, nous avons suivi les anciens combattants, avec à leur tête le chef de bataillon à la retraite, Katagé Kouyabalo. Nous avons suivi l'association des retraités de la police nationale du Togo, ARPONAT. Ceux-là qui ont fermé le défilé à pied des troupes paramilitaires, voilà, qui annoncent le début du défilé motorisé. Des troupes motorisées. Motorisées. Et de l'artillerie lourde. Et pendant ce temps, dans les airs, eh bien, on voit nos hélicoptères. Mon capitaine, eh bien, leur nom, c'est des MiX. Comment vous les appelez, ces hélicoptères? Il y a quand même un nom. Pour le premier passage dans les airs, on aperçoit une formation mixte. Voilà. En flèche constituée de 4 hélicoptères de type MI-8. MI-8, voilà, Gazelle. Suivi par une patrouille d'avions de type TB-30. En patrouille serrée, à droite, tous évoluant dans le sens du défilé. Voilà, ça fait l'appui aérien des troupes blindées qui vont commencer leur progression. Donc une coordination parfaite là aussi. Hein. Coordination parfaite. Les troupes à pied sont appuyées. Pas les troupes. Les troupes aériennes. Voilà, qui peuvent jouer donc les éclaireurs. Et leur apporter du renseignement. Du renseignement. Voilà, avancer, ne pas avancer. Et c'est le lieutenant-colonel Atafaï Tchangani, qui est le chef de corps du 1er bataillon d'intervention rapide et commandant des troupes motorisées. C'est bien le lieutenant-colonel Atafaï Tchangani qui commande les troupes motorisées. Il est le chef de corps du 1er bataillon d'intervention rapide, du 1er billet. Voilà, et vous entendez donc en fond sonore le bourdonnement, donc le ronronnement des moteurs des avions qui nous surviennent donc ici dans cette tribune annexe où nous commentons donc ce direct. Au-delà d'une simple démonstration, les forces armées togolaises, en exhibant ces moyens, veulent rassurer le peuple togolais que les moyens sont de gamme, sont de haute gamme,
et que les hommes sont formés matériel de haute gamme et les hommes de qualité pour assurer la sécurité des Togolais, défendre l'intégrité territoriale, tel est le vœu le plus cher du chef des armées. Le premier bataillon d'intervention rapide, premier BIR, est créé par arrêté numéro 14-022-741 du 10 novembre 2014 dans le cadre de la refondation des forces armées togolaises. Et nous voyons donc des chars également, hein, voilà, ces véhicules lourds que nous appelons des chars, communément donc avec des armes pointées au vent, l'arme au vent. Le passage est salué toujours par le chef de l'État, chef des armées. Les forces armées togolaises qui se donnent donc de matériel de pointe de dernière génération justement pour assurer la sécurité et préserver le territoire d'attaque de tout genre. Voyons donc les ambulances. Toute infiltration indésirée. Les ambulances des forces armées togolaises. Avec la loi de programmation militaire 2021-2025 qui a eu sa première phase de mise en application au cours de l'année 2021, il s'agit de doter les forces armées du matériel de haute gamme. Voilà, des engins blindés. Des engins blindés. La reconnaissance et le combat. Pour répondre aux besoins sécuritaires de l'heure. Voilà, et on a des la menace multiforme, le terrorisme, l'extrémisme violent. Les AMEL, les scorpions, les bastions bombés, les Mavericks. Cela ne dira peut-être certainement rien à bon nombre de téléspectateurs, mais voilà. Les connaisseurs savent. Peut-être pour les mystifier aussi. Pour mystifier un peu. Voilà, c'est du matériel qui défile donc sous nos yeux. Avec actuellement donc le passage des éléments motorisés du corps des. Non. Voilà, donc du régiment blindé des reconnaissances d'appui. Suivons à présent le passage du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Et c'est le lieutenant-colonel Palami. Voilà qui est le chef de corps du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Et cette unité, elle est organisée et entraînée en vue de conduire un combat offensif de jour comme de nuit sous la menace des armes, d'infanterie, des blindés ou d'artillerie, tout en assurant au personnel embarqué la capacité à durer sur le terrain. Absolument. Donc, passage du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Pendant ce temps, dans les airs, il y a les aéronefs qui tournent. On aperçoit donc, on l'avait aperçu hein, tout à l'heure. Voilà, et aux commandes. D'un char, une femme. Le lieutenant, colonel Palami. Palakiem, non. Non, c'est pas. Il y a de voir juste le personnel féminin. Oui. Après le passage du premier bataillon d'intervention rapide du premier BIR, nous suivons le passage du régiment blindé de reconnaissance et d'appui, Airbra, commandé par le lieutenant-colonel Palami Palakiem, maillon clé de l'ossature des forces armées togolaises. Elle délivre une importante puissance de feu parlant de cette unité et constitue une arme décisive dans la bataille. Comme son nom l'indique, ce régiment est équipé d'engins blindés pour la reconnaissance et le combat. Les AMEL, les Scorpions, les Bastions, les Mavericks qui font la force de la diversité de l'arme blindée de la cavalerie. Avec également le transport des troupes, hein, à bord, donc de ces camions. Ben. Camion de transport de troupes, de matériel également.
flanqué derrière d'artillerie. Donc aux ordres du capitaine Panakoku du RCGP, les canons d'artillerie participent à l'appui des unités au contact. Et leur mission, eh bien, c'est de fournir une contribution tactique, feu à la manœuvre des unités. Et là, on voit aussi hein, le passage de la composante appui lance-roquette, avec à leur tête le capitaine Wakiyu Alaki du RCGP, toujours. Et toujours dans les airs, en note le passage. Oui, la parade de la flotte aérienne. Donc les lance-roquettes qui sont composées donc, de BM-21 ou lance-roquettes multiples qui fournissent un appui-feu longue portée. Leurs atouts, eh bien, c'est l'apport d'une valeur ajoutée notable en zone urbaine et dans les espaces lacunaires en quelques minutes, c'est-à-dire un effort de feu peut en effet être apporté sur plusieurs kilomètres sans mouvement du lanceur. Assez impressionnant. Jason, tu es devenu un expert pour ce 27 avril. Ben, sous le contrôle du capitaine. Vous le faites bien, monsieur. Vous le faites bien. Merci, mon capitaine. Vous le faites bien. That's past. We have the airborne taking part, particularly in this military parade. We have the helicopters who were piloted above our heads. Then we have the parade of military equipment, armored cars, military jeeps, and peace goers, cargos taking part in the parade. We have the artillery, and we could recall the role of the Togolese Armed Forces in peacekeeping. We know that 24, we here have the National Fire Service, who is a unit with a special mission, social, with the population, taking care of accident and fire issues in the country, and especially in Lomé. Le passage des véhicules des sapeurs-pompiers justement. Et à bord, ce sont des femmes et des hommes qui sont prêts à risquer leur vie pour en sauver d'autres. Ils interviennent donc au profit des populations en détresse pour leur apporter secours et assistance. Et on l'a dit précédemment lors du passage des troupes à pied. La palette de leur intervention est extrêmement large. Vous voyez donc là le dispositif et le matériel du corps des sapeurs-pompiers. Oui, Yannick, on va en profiter pour faire un petit coucou à la diaspora qui nous suit hein, sur la télévision togolaise et sur satellite via le canal 262. Coucou à nos frères, à nos compatriotes du Kenya, du Gabon, des États-Unis, de la France, du Ghana, d'un peu partout dans la diaspora qui nous suivent donc en ce moment. Nous pensons aux frères casques bleus togolais qui sont déployés à Douenza, Menaka, ceux qui sont à Kidal, ceux qui sont en Centrafrique, ceux qui sont au Darfour. Nous suivons actuellement le passage des moyens aux couleurs des Nations Unies. C'est les moyens du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, CEMP. CEMP.
Tout à fait, tout à fait. Adido Gomé. Adido Gomé. Voilà, qui forme et qui. Qui s'occupe de la mise en condition opérationnelle. Absolument. Des militaires avant leur déploiement. Nous les saluons partout où ils sont au Mali actuellement, un peu partout, vous l'avez dit, mon capitaine, en Centrafrique. Partout, partout où les forces armées togolaises sont déployées à l'extérieur en opération de maintien de la paix que nous vivons chez nous, que nous exportons auprès donc des autres peuples. Merci Gerson pour le soutien, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Et Gerson, il faut rappeler qu'à une certaine année, il y avait un certain colonel Kémé Soyomé qui dirigeait le COMP. Mais aujourd'hui, nous avons donc le lieutenant-colonel Salifou Pini. Qui est le nouveau commandant du centre. Que nous saluons également au passage. En Guinée-Bissau, il y avait également du personnel militaire togolais. Il faut rappeler que le Togo, engagé sur les théâtres d'opérations de soutien à la paix, à travers, avec les forces de défense et de sécurité, fidèle à son devoir de solidarité, a pris part à 22 opérations. Depuis la première opération, Force interafricaine aux Haïti en 1977. Aujourd'hui, un contingent togolais sur le théâtre malien depuis 2013. Voilà. Aux côtés des troupes d'autres pays. Nous pensons très, très fort à eux en ce moment précis, où ce pays, pays frère, le Mali, est sous le coup de boutoueurs des terroristes. Nous avons un bataillon d'infanterie motorisée basé à Douenza, un hôpital de niveau 2 à Kidal et deux unités de police constituées que nous appelons communément FEU à Sévaré et à Menaka. Une pensée forte, mon capitaine, également aux familles des victimes de nos soldats qui ont perdu la vie au Mali et sur d'autres théâtres d'opération. Nous pensons très très fort aussi à leurs familles, à leurs proches. Justement dans le domaine, le Togo a payé un lourd tribut. 148 casques bleus blessés, dont 40 ont perdu la vie. Et 33 parmi les 40, c'est au Mali. Au Mali. Que leurs familles respectives reçoivent ici notre soutien et affection de tous les instants. Voilà les motos, voilà qui. La gendarmerie, la police. Les troupes motorisées de la gendarmerie nationale qui font donc l'escorte donc des délégations officielles, les invités de hautes marques. À leur tête, le lieutenant-colonel Awadé Edoué, officier logistique de la gendarmerie. Et ses moyens sont articulés en 5 entités. L'escadron motorisé, les moyens de la gendarmerie mobile, les moyens du groupement de gendarmerie maritime, les moyens des groupes régionaux de sécurité d'intervention et les moyens du groupement de sécurité d'intervention de la gendarmerie nationale. Voilà, avec ces pick-up, ces camions bennes que nous connaissons très très bien en ville et qui font donc le transport des troupes. Nous avons suivi le passage du capitaine Titi Guinan Abdoul Samandou à la tête des moyens de la gendarmerie mobile et le passage du lieutenant Enouame Maounigan qui est à la tête des moyens des groupes régionaux de sécurité et d'intervention GRC. Le chef d'escadron Kérim Zidadou est le commandant du groupement de sécurité d'intervention de la gendarmerie nationale et qui a la tête des moyens du groupement de sécurité d'intervention de la gendarmerie nationale, GSIGN. Avec leur véhicule léger de patrouille d'intervention, leurs moyens spécifiques et les moyens blindés Mamba, ils sont formés pour progresser sous le feu et neutraliser tout type d'ennemi. Voilà, on va admirer un peu le matériel dont dispose la gendarmerie nationale. Thank you.
gendarmerie, la police avec son matériel roulant. Et Gerson, on les rencontre également en ville, ces véhicules avec à leur bord justement ces policiers. Oui, qui assure la sécurité. La gendarmerie, la police qui se coordonne sur le terrain pour les missions de sécurisation, de sécurité intérieure et qui font donc ce travail nuit et jour, les mêmes, disons le même matériel roulant, puisqu'il y a des troupes, le transport des troupes, il y a des missions de reconnaissance avec le véhicule adapté. Et donc, ils sont sur le terrain nuit et jour pour assurer donc ce travail de coordination. La gendarmerie, la police, très très complice sur des actes ou des actions, hein, des actions, même si c'est des corps différents. Et nous rappelons que c'est le commissaire principal de police, Bayor Latif, commandant les séries de Lomé, qui a défilé en tête des troupes motorisées de la police. Il a été suivi par le commissaire principal de police, Bedini, Comlan et Sénan. Mais le patron de la police, eh bien, c'est le... Colonel Opaolu Yaovi. Opaolu Yaovi. L'actuel directeur général de la police. Voilà. Colonel Opaolu Yaovi. Présent dans les tribunes. Et maintenant, eh bien, c'est l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie, non, de la police nationale, qui défile sous nos yeux. Le groupe d'intervention de la police nationale, GIPN, placé sous le commandement du commissaire principal de police, Bedimi Comlan et Sénam. Donc nous suivons le passage des éléments motorisés du commissariat des douanes et des droits indirects. Bon, là aussi du matériel pour régir, intervenir efficacement. Il s'appuie donc sur la Brigade nationale de contrôle et de surveillance, l'unité spéciale d'intervention douanière, créée le 29 mars, disons il y a 4 ans, 2018. Et la section motorisée forte d'une trentaine d'éléments hommes et femmes. C'est le bras armé des douanes. Ces trois unités sont équipées donc et formées pour aider à la surveillance du territoire douanier national et à la répression de la fraude et des trafics illicites de tout genre. Et c'est le capitaine Kloutchek Kossi qui est le commandant de l'USID qui défile à la tête donc des troupes motorisées du CDDI. Vous l'avez bien dit, c'est le capitaine des douanes, Kloutchek Kossi, commandant l'USID qui défile. À la tête. À la tête. Derrière lui, le lieutenant Kenhori Kodjo. Kenhori Kodjo. Avec maintenant une vue sur la loge officielle. Donc le président de la République qui était debout tout à l'heure pour saluer le passage des troupes. Nous approchons la fin. La fin donc de ce défilé ici. De ce défilé militaire paramilitaire, édition 2022, pour la commémoration de son deuxième anniversaire. Voilà. Et depuis, la police, la fanfare de la police nationale, la cavalerie, a repris donc le rythme. La musique principale, la musique principale des forces armées togolaises. Exactement. Et on voit le dispositif qui se remet en place justement. C'était pour le départ du chef de l'État. Le temps de permettre à nos téléspectateurs anglophones également d'avoir le résumé de tout ce qui a été dit. We have the paramilitary equipment parading that have just paraded. We saw the national police, we saw the police, internal security, we saw them with their jeeps and their vans. We saw the National Fire Service Brigade, and that was the end of the... Fin du défilé militaire et paramilitaire. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. With the military parade. Colonel, je vous adresse mes félicitations
pour la qualité du défilé et pour la bonne tenue des troupes. C'est la fin donc de ce grand défilé militaire qui marque la commémoration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance. Donc ici, c'est la boucle bouclée. Le tapis rouge se remet en place pour le départ du chef de l'État qui va mettre fin aux festivités. Donc ici, de ce 62e anniversaire que vous avez suivi, nous espérons que vous avez eu donc tout le loisir de suivre cette retransmission en direct sur la télévision togolaise. Et ceux qui sont à l'extérieur également dans la diaspora, le canal 260 pour nous suivre. Déterminé et sereine pour combattre l'idéologie odieuse. Oui, Gerson, le commandant des troupes qui avait demandé l'autorisation du chef de l'État et qui tout à l'heure donc, qui a rendu compte de la fin du défilé, qui a reçu donc les félicitations du chef de l'État, chef des armées, compte rendu qui marque ainsi la fin de ce défilé. Et on attend donc le départ ici. Du chef de l'État, Forestier Zimnania Zimbi, qui a suivi ce défilé qui aura duré deux heures ou plus de deux heures. Trois heures pratiquement, donc ici, sur la belle avenue de la place des fêtes ici, qui a donc vu défiler sous nos yeux environ 5000 hommes, une trentaine d'unités. Des forces armées togolaises, tout régiment confondu. La police, la gendarmerie, la douane, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, les écoles de formation, les FOFAT, la médecine, les FOFAT, les pompiers, défilés paramilitaires également. Donc sous le regard du président de la République, chef des armées, de l'ensemble du gouvernement, des ambassadeurs, des secrétaires généraux, des directeurs de cabinet, des députés à l'Assemblée nationale, le corps diplomatique et un public trié donc sur le volet. Vous savez que nous sommes toujours en pandémie Covid-19, même si on en parle très bas et donc on prend les mesures, d'où le masque toujours visible dans les visages. Nous espérons vous avoir offert un spectacle, un régal à la maison avec les images donc de ces troupes. Et dans nos commentaires, eh bien, nous avons été accompagnés donc du capitaine Sewadé, donc du bureau de la communication des forces armées togolaises, de l'état-major général des forces armées togolaises. Merci beaucoup mon capitaine, votre concours a été précieux. Et nous espérons vous retrouver peut-être l'année prochaine. Avec d'autres innovations, avec d'autres commentaires, d'autres précisions. L'ensemble de la langue nationale, on va leur redonner la parole pour faire rapidement donc le topo. Oui, mon capitaine. Oui, toute notre gratitude à l'équipe de la TVT. Et je tenais à rappeler que par cet imposant défilé, les forces de défense et de sécurité ont réaffirmé une fois encore leur disponibilité, leur détermination à accompagner la politique du chef des armées. Cette politique qui est pour la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Le peuple togolais peut compter sur nous. Merci beaucoup, mon capitaine. Allez, un dernier tour de table. Une dernière revue de troupes.
Après, les gens qui ont été nommés de si même les gommes comme les peuples d'un vœu, n'a tout gopé depuis sinon, et les itoré à mia globe, du clola bouton fort, et soit zimnania singe, et so et wa adzo le tepea, quoi, ou dame nous j'ai si au ravi ou adjo, les affi. Alexia? Independence of Togo accession to it, but we know that the celebration of our independence today is an opportunity to not only rejoice but also to remember the courage and patriotism that so many men and women have shown defending our dear country Togo years ago. Thank you, Alex. Thank you, Anita. Et Gerson, merci également pour la collaboration. Nous espérons justement avoir donné. Du régal aux téléspectateurs et nous suivons donc le départ du chef de l'État. Et merci à l'ensemble de la coordination technique, hein, l'équipe technique de la télévision togolaise qui s'est donc mobilisée, la rédaction dans son ensemble qui s'est mobilisée également donc pour vous offrir ce défilé militaire en direct, l'ensemble de la télévision togolaise. Merci à tous et à chacun. Le chef de l'État qui quitte donc en ce moment même les lieux du défilé. On attend donc le départ et on vous rend donc l'antenne tout à l'heure pour la suite de nos programmes. Restez avec nous sur la télévision togolaise. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Joyeuse fête.